Salut tout le monde et bienvenue sur ce nouvel épisode de Dark Souls 3. Et vous demandez qu'est-ce que je fais sur ce pic du dragon ancien? Vous savez pas d'où c'est? Enfin si, peut-être que vous savez, mais en tout cas vous m'avez pas vu y arriver. Et c'est pour ça que tout de suite je vous montre une vidéo courte et non commentée, pour changer, hein, de ma petite épopée jusqu'ici, on va dire. Allez, à dans 2-3 minutes. Bon, alors on se retrouve ici du coup. Alors eux d'ailleurs, c'était des cadavres qu'on avait retrouvés après je sais plus quel boss là qui parle de son bébé Ocelot. On en avait vu un en fait encore en vie et tout plein de cadavres, et c'est pour ça qu'on avait trouvé d'ailleurs l'emote qui permettait ensuite de venir ici, hein, c'est tout est lié. Enfin bon, enfin bref. Franchement, je sais pas du tout à quoi m'attendre dans cette zone. Bon si, franchement. Ah. Franchement, je serais un peu surpris de pas trouver de dragon quand même. Et pas mal déçu. Putain, il y a un gros garde là. Ah non, c'est un mec normal. Lui, il fait genre il dort en fait. Ah, c'est sûr ça. Bon, il est gros quand même en fait, hein. Oh putain. Oh, je sais pas pourquoi je m'attendais. Non, je m'attendais pas à ce qu'il en donne autant, mais je m'attendais à ce qu'il en donne plusieurs. Oh non, on va te faire voir avec toute l'amitié que je te porte. C'est-à-dire que dalle. C'est pas incroyable, ça, on peut pas jouer peinard. Il peut pas y avoir un esprit bleu qui vient m'aider là. Oh oh. Bon, et l'autre il se casse là. Ils m'énervent avec leur rapière de mes couilles là qui enlève toute l'endurance. Il faisait le malin jusqu'à ce que je lui donne un bon coup dans la gueule. Et encore, il est aidé par un putain de monstre.
salope, on a peur. Eh, je suis caché, trou du cul. Bon, bon, bon. Oh putain. Tu mourras pas. Tu mourras pas. Oh putain, le con. J'aime bien parce que la branlée que j'aurais mis, mais un truc phénoménal quoi. Si j'étais pas en train de me battre contre un truc qui faisait 50 fois ma taille, déjà en même temps que ce trou du cul là qui savait pas se battre. C'est en 3 coups, le gars, je le tuais, c'est simple. Et forcément, il y a le connard là avec sa grosse hache de mes couilles. Qui est venu tout gâcher. Un connard. C'est bien ce qui me semblait que c'était pas une bonne idée. Aïe. Franchement, eh. Mais laisse-moi. ça m'énerve. C'est quand le perso il met 3 jours à se relever. What the fuck. D'ailleurs, j'ai aussi rejoint le serment de la lune noire hein, que vous voyez en gauche. Là, ça fait penser que j'ai oublié de vous montrer ça aussi d'ailleurs. Bon bah, petite ellipse, le temps de vous montrer le serment et on se retrouve ici. Thou thinks to. Very well. Captain to this nightless company I remain. I will grant thee purpose. Thou'st journeyed far. Hear my voice. If thou shalt swear by the covenant to become a shadow of Father Gwyn and Sister Guinevere, a blade that shall hunt the foes of our lords, then I place thee under the aegis and the power of the dark moon. Thou art now a blade of the dark moon, the only knight of our company. Swear this oath and face thy solemn duty. Bon voilà, ceci étant fait. Donc j'ai le serment de la lune noire, ce qui veut dire que je peux être invoqué pour aider des gens ou des gens peuvent être invoqués pour m'aider moi. Et bizarrement, quand on m'envahit, je suis jamais aidé moi. Pourtant j'en ai déjà aidé quelques-uns des gens, je m'amusais à explorer un petit peu le monde. À ramasser un maximum d'objets. Oups, voilà, on va essayer ça. Ça lui refait rien du tout, d'accord. Alors, connard. Et ouais, du coup, ça m'a fait pas mal jouer. Ça a beaucoup rajouté d'or à mon compteur. J'ai pris quelques niveaux. Là, je suis actuellement niveau 100, donc ouais, j'ai pris beaucoup de niveaux, on va dire. Et du coup, voilà. J'ai vu que j'étais pas mal invoqué. Que moi, il n'y a jamais personne pour venir m'aider. C'est dégueulasse. C'est ce que j'ai à dire. Bon, et cette porte, est-ce qu'elle s'ouvre? Bien sûr qu'elle s'ouvre! Infortune droit devant. Ok, ça promet. Une cloche qui sonne. Oh putain! Oh putain! Oh putain! Tour! Oh putain! J'y fais pas mal! Aïe!
Arrête de bouger! Arrête de bouger! Bon, on a un problème là. Je lui fais pas mal. Et la queue, je peux taper la queue? Ah putain, non, pas me taper la queue, taper la queue! Ça, je lui ai fait plus mal là, je sais pas où je l'ai touché, mais il a eu davantage mal. Peut-être au cou, peut-être au genou. Non, là, ça change rien. Putain! Arrête de te taper par terre, je suis là! Aïe! Putain, mais le combat pas fluide du tout, on voit rien, on sait pas ce qui se passe. Mais bien sûr! Ah, la gueule, il a mal! Ah, dans ma gueule, j'ai mal! What? T'es où, connard? Sérieux? T'es sérieux, là? Putain, mais 3 jours pour soigner! Il était où, ce con, en plus? C'est pas possible, doit y avoir une technique, doit y avoir quelque... Déjà faudra que je m'équipe. Oula. De l'anneau de protection contre le feu. Ah oui, j'aime comment tu tapes 100 fois plus vite que moi. Maxeur de foudre, ok, ça me sert à rien en fait. Et putain, ouais, en fait, c'est direct le dragon. Je veux dire, il n'y a pas à tergiverser, il n'y a rien d'autre. C'est pour se taper le dragon. Alors, on va virer ça. J'en ai pas besoin. Et ça. Ça va être mieux. Allez, ramène-toi. Je viens de battre, c'était un dragon. Bon, ça va être galère. Hein, ça... Ah putain, mais sérieux, mais... Ta tête que je veux voir, pas tes pieds, connard. Oh putain, il me le fait déjà. Loin de là. Bon, il y a peut-être des objets. Une braise. Deux braises. Et des trucs. Bon. En fait, une technique, ça serait de le forcer. J'ai pas, pendant un moment j'ai cru que taper la cloche ça lui a fait mal, je sais pas pourquoi. Je me suis dit c'est un malentendu, on sait jamais. Peut-être pas rester. Ah putain, mais y'a des gars là-bas, je peux pas aller là-bas. Bon. Il aime pas, c'est la queue. Et le cou. Et la tête. Alouette. Ah putain de connard! Vas-y, pourquoi t'es vite, connard? Non mais... Ah! Mais bien sûr! Ah, esquive, esquive, il y a un putain de bouton d'esquive, fais-le. Oula. Je crois que j'ai eu chaud. Me dis pas qu'il m'a repéré, ce con. Allez, fais-toi cramer par le dragon. Voilà.
putain! Vas-y, crache ton feu là au lieu de faire chier! Bon, toi là, tu viens de faire chier alors. Alors, baston! Voilà! C'est ça qu'on veut voir! Bon, monsieur le dragon! Comment dire? Merde, hein, déjà pour commencer. Changement de technique! De technique, hein, c'est le mélange entre la tactique et technique. Ah, je me disais bien qu'il y avait. Putain, mais c'est pas un, mais deux connards! Le dragon. En plus, il m'énerve cela. Oh putain! Voilà! Encore une fois, peut-être? Et il se lasse pas, hein. Hop là. Il se lasse pas. C'était prévu dans cette arène, apparemment, pour qu'on se balade. Putain de connard. Oh putain. Bon, il doit y avoir un chemin, il doit y avoir quelque chose. Peut-être monter. Quoi? Ah, le connard! What? Le mec, il me contre. Genre, normal, tranquille, pépère. Contre ça pour voir? Ah bah non, ça, tu le contres pas. Non mais oh. Je me régale. On s'éclate. Voilà. Non mais oh. Bon, l'avoue, elle m'a un petit peu oublié pour le moment. Ne crions pas victoire trop tôt. En fait, je me demande s'il n'y a pas. Ah, elle est retournée là-bas, cette conne. Il doit avoir une technique pour arriver par au-dessus et lui mettre un putain de coup, c'est pas possible. Oh putain, un géant encore. Un caché comme un connard. Oh, il m'a vu. Eh merde. Ok, à quoi servait ce passage? Que dalle. Voilà. C'est un combat de boss assez épique, c'est du jamais vu. En tout cas, si vous avez déjà vu un combat de boss comme ça, franchement, dites-le moi parce que c'est mythique. Ah, il se réveille. Il ne semble pas être content. Seul à la fois. Ah mais hey, t'es en train de venir toi, viens. Je suis là. Allez, viens gamin. Ça passe sa petite arme. Aïe. Sauf qu'elle fait super mal son arme de merde en fait. Voilà! Franchement, déjà que les petits sont chiants, et en plus ils nous en ont mis des grands,
Vous allez voir que je suis en train de me taper la route normale en fait. Putain, en face c'est bloqué forcément. Doudou! Ah putain, mais t'es pas mort brûlé toi, connard! Bon, là, vous, Yvon, t'attends quoi? T'attends une invitation là? Putain, ouais. Attendez une invitation, c'est une conne. Eh, hey, j'étais sur le pont il y a 2 secondes, crache du feu! Là! Ça a rien! Et toi aussi, tu sors rien! Je suis sûr qu'il y a un truc. Il y a forcément un truc. Oh putain! Forcément lui tomber dessus, lui faire très mal. Allez, on essaye. On soigne. Geronimo! Oh oui! Oh ah oui! Ah c'est beau! Ah oui! C'est ce qu'il fallait faire! Je l'ai défoncé! Ok, là je sais pas ce qui se passe. Braise restaurée. On va de nouveau pouvoir m'envahir. Super. Ah, ce combat épique quand même. C'était n'importe quoi. Bonjour. Ah putain! Non! Couché! Ah putain, pourquoi? Ah mais t'as combien d'endurance toi? Pour de bon là! Ah! Essaye ça! C'est agréable ça? Bien sûr que non, c'est pas agréable! Putain mais... un truc de dingue ça, sérieux? Wouah! Mais c'est quoi cette endurance infinie qu'il a, le mec? Le mec, il tape non-stop! Tiens donc. Ouais, j'aurais dû faire comme ça depuis le début, ça marche bien. Aïe! Voilà! Gros connard! Ouais, donne-moi ton épée. Ainsi soit-il. Quoi? Non! Y'a un connard ici qui se fout de ma gueule. Ah, c'est toi le connard qui se fout de ma gueule et qui arrête pas d'invoquer un mec, hein? Mais je vais te calmer, moi! Laisse-moi un petit peu savourer, merde! On explore, on découvre.
pour un ascenseur qui mène je ne sais où. Embuscade. Non, me semble. De toute façon, ça, on s'en serait pas douté, quoi. Embuscade des deux côtés. Ah oui, embuscade des deux côtés en plus. Ici, ça vient là. Mais pourquoi est-ce que ça vient là? Et ça, là, c'est où? C'est quoi? J'ai trouvé une lance de tueur de dragon. D'accord, je savais même pas qu'il y avait un objet ici. Oh, il y en a encore une plus grosse cloche là-bas. En plus, du coup, au final, j'ai pas fini d'explorer la zone de la vouivre, puisqu'il y avait un brouillard plus haut. Du coup, faudrait que j'y retourne. Putain, je sais pas pourquoi je le savais. Tiens, connard! Eh, viens pas trop vite te battre, surtout. Je les aime pas, ces mecs, franchement. Déjà, rien que leur gueule, elle m'énerve. Mais en plus, ils tapent super vite. Et ils font mal. Il y en a partout. Et ici... Ah non, on va éviter d'aller là-bas, hein. En tout cas, c'est bien, ils sont généreux. Ils sont généreux en éclat de titanite. Putain, il y a encore un gros là-bas. J'aime pas les gros lourds. Oh putain, regardez-le, le dragon là-bas. Là, il fait mine de rien, là, mais il nous regarde en fait. Chevalier du tonnerre, c'est le deuxième truc lié à l'électricité qu'on trouve depuis tout à l'heure. Quelque chose me dit que le prochain dragon, lui, ça sera plus l'électricité du coup. Vision de dragon, bah oui, j'ai vu, merci. Voilà, meurs. Fais moins le malin quand on tombe d'au-dessus, hein. Là-bas, je crois qu'il gardait rien de spécial. Petit, 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 petit! Non! Bon, techniquement, je l'ai touché et il est mort après. Ça va peut-être me donner le truc. Peut-être. Voilà! Caille de titanite! Ça rigole plus! Ouais! Bonjour. Non, pas bonjour, toi. Toi, saleté. Putain, l'ennemi pas chiant, quoi. C'est chaud, ça brûle. Oh, putain, il y en a déjà un autre. Salut. Salut, t'es quel type de Pokémon, toi? En fait, à peine vous les touchez, qui retapent directement derrière parce qu'ils sont pas... Ça leur met pas de recul, ça les stun pas, ça leur met rien de se prendre un coup, alors ils s'en foutent carrément. Ok. Ah putain, je croyais que je serais tranquille ici, mais non. Il est juste venu me souffler à la gueule et il est parti, c'est ça?
Oh putain! Oh putain! Dovahkiin, Dovahkiin, na 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 na. Allez! Bon bah celui-là il a l'air d'avoir... Oh putain connard! Il a l'air d'avoir moins de vie. Ah ouais il prend carrément plus cher quand je tape la queue. Mais il m'a l'air plus petit aussi. Mais bon il fait pas moins mal hein, ça... Allez, viens! Regarde comme on est bien! franchement, désolé, ça doit être un peu dégueulasse à regarder. Mais je le tape, je fais comme je peux. On l'a presque tué. Oh, il a eu mal là. Le coup à la tête là, 377 dégâts, il l'a bien senti. Allez, viens te battre. Ah, j'ai un gland. J'étais à l'intérieur de son ventre pendant un moment. Meurs! Soumets-toi à ma volonté! Attends, ils sont généreux là, hein? Très 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 généreux! Oh putain, t'es sérieux? Bon, et si j'ai envie de vous éviter là, parce que franchement, vous me faites pas envie! Cassez-vous, vous me faites pas envie! Un petit feu, un petit quelque chose? J'ai combattu une vouivre quand même! Comment ça, mon tordre devant? Fous de ma gueule! Ou alors? Non! Bonjour. Putain, il va m'invoquer un autre mec. T'étais sûr? T'arrêtes tout de suite ce que tu fais. Voilà. Et ton gars, eh ben, il est quand même invoqué, hein. Voilà, tiens! Sorte de sosie ratée de Conan, là. Ah, la rapière! Cette arme de fourbe! Cette arme de petite salope! Bon, on n'a pas encore débloqué de raccourci ni rien. Et là, on arrive ici, mais... Et ici c'est quoi? C'est là où j'étais il y a 2 secondes? Ah non, même pas! Mais je suis où moi du coup là? Ah saloperie! Et à travers le... Il touche à travers le poteau! M'énerve, ça m'énerve. Waouh, 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 waouh.
Putain, c'est vraiment de la merde ces ennemis là. Bien sûr. Putain. Comme si ça suffisait pas. Comme si ça ne suffisait pas. Salut Avel! Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Moi je me porte bien. Putain, son armure est toujours aussi solide. Il n'a rien à péter de ça. Non, petit salaud. Bon, on va se le faire petit à petit comme ça, hein. Ah putain. J'ai eu chaud. Sa grosse massue m'a tutoyé la gueule. Non, je sais pas ce que tu fais. Tu t'arrêtes tout de suite. Comme si il avait besoin d'être encore plus solide, putain. Ah putain. Tablette de titanite, yes! Ma première! Et merde! Pas le temps. Je voulais utiliser une braise, mais là vraiment pas le temps. Putain. Tu vas mourir, Avel! Putain! Heureusement que j'avais le bouclier levé, parce que celui-là, je croyais pas qu'il allait m'atteindre. Alors oui, c'est un combat épique comme vous les aimez, je le sais. Allez, on y est presque, on peut le faire. On y est vraiment très presque là.
Ah putain, il allait me sauter à la gueule, ce con. Ok. Bon. On va s'utiliser une petite braise parce que là, on a mal. Ah la vache. C'était chaud, hein. Et lui, du coup, il est mort, il s'en fout. D'accord. Bon, bah on a récupéré notre première tablette de titanite, c'est bien. C'est bien, bien, bien. Ici. Ouais. Je vous cache pas que j'apprécierais beaucoup de trouver un feu ou un tout dans le genre, un raccourci peut-être. Du genre là-bas, voilà. La grille là. Ah non, rien à voir avec un raccourci ça. En tout cas, je crois pas. Bon, là-bas, c'est sûrement la suite du niveau, du coup, mais là, je peux pas y accéder. On peut pas tricher, gruger, non, on peut pas. Dommage. Ah, du coup, faut avancer par là, je suppose. Moi, si j'ai pas mon feu, j'aime pas ça. Allez, un petit feu, là. Allez, un feu. Ah. Vous voyez, il suffisait de demander. Bon, comme il nous reste encore pas mal de choses à faire, je crois qu'on va s'arrêter là. Et on prendra, on continuera et on essaiera de finir cette zone la prochaine fois. Donc je vous remercie d'avoir regardé cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si c'est le cas, ainsi qu'un petit commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.